Salut à tous, ici Cyber, et bienvenue pour cette 17ème partie de Paper Mario The Origami King. Nous sommes toujours à Shogunland, et visiblement nous allons devoir faire une succession d'échanges d'objets afin de récupérer un os qui nous permettra de progresser dans l'histoire. Ah, je me suis fait agresser. Oula. Bon, donc dans l'épisode précédent, on avait trouvé, en tout cas une succession, il y a un shuriken et un os à récupérer. Donc on sait où trouver l'os, donc on sait où est la fin. Mais après, après on sait pas trop. Ok, mission parfaite. Donc les pas pour l'instant, maman, avec le saut simple ça suffit. Ensuite, le saut. Ok. Et enfin, alors ça, je vais tenter le marteau pilon. Ah, pour frapper à distance. Ah, ça, oui, ça, d'accord, ça frappe une ligne, le marteau pilon. Intéressant. Bon, les marteaux brillants, ça suffira pas, mais bon. Et non, je fais qu'un seul. Mais ils ont combien de PV? Ouais, ça en rate un. Oh non, il va encore appeler ses collègues. Non, mais... Oh non, mais ça va être super chiant s'il fait tout le temps ça. Bon. Ouais. Hop là. Ils sont parfaits. Parfait. Là, j'ose espérer qu'un simple saut sera les oxyres. Voilà. De l'argent, même si j'en ai de moins en moins, j'ai l'impression. Hop, plein de confettis, plein de confettis, plein de confettis. Je vais recevoir des employés passés par ici, dans lequel de se trouver dans les environs. Ah, ça paraissait bizarre. Que ? Hop. D'accord, ok. c'est super bizarre. Alors, bande détente. Super le trésor. Rien d'autre dans l'arbre. Ok, juste des confettis. Je l'en prends quand même parce qu'on est en rade. En fait, le sac est beaucoup plus difficile à remplir vu qu'on a, on a plus de capacité. Oula. Alors déjà, bonjour monsieur. Halt, qui va là? Ah, c'est toi Mario, j'ai peur que ce soit encore un intrus. J'avais vu un individu louche rentrer dans tout avant alors que j'étais plié. Portez des vêtements verts et une casquette verte. Quand t'es suspect, ça vire en vert. Alors, la poubelle. Mario, tu es venu? Shogunland est envahi par les origamis. Pardon, les origamis. Dans le local du personnel, tu trouveras peut-être ce qu'il faut pour t'infiltrer dans le château, comme. Arg. La clé! Oh non. Elle a disparu! La clé a disparu! Ah, mais c'était le Luigi qui l'a en fait. La clé? Elle a disparu? La clé a disparu! Oui. Pas besoin de crier. Pardon, c'est que cette. Pardon, c'est cette clé est très très importante. C'est un passe-partout avec laquelle on pourrait toutes les portes chez Shogunland. Toutes les portes vont se sentir très très important avec une clé pareille dans les mains. On n'a pas le choix, il faut vraiment qu'on mette la main dessus. Donc là, donc voilà. Donc l'os, ça va être pour au final trouver. Bonjour, oui, je viens. Je veux bien, mais... Oh, encore raté. La prochaine fois sera la bonne. Ah, Mario,
J'arrive de jouer à Shuriken, c'est notre attraction phare. D'habitude, il y a plein de monde, mais là, personne n'est venu toute la journée. J'en profitais pour faire de la relaxation avancée. J'entends deux jours, n'hésitez pas à y faire un tour, hein, pour une fois qu'il n'y a pas de queue. Attends, ça n'y a pas de queue. Ah, il n'allait pas dire aux autres que je dormais, hein, comme tu dis, c'est de la relaxation avancée. Donc, y a rien là-dedans. Ok, j'ai juste coincé. Ah, le fameux casque de Metroid. Ah, mais c'est Mario! Bienvenue à Shogunland! Précisément, bienvenue dans le local du personnel de Shogunland. On stocke aussi le matériel qu'on n'utilise plus. Si tu trouves quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à le prendre, ça nous débarrassera. Alors, je veux la tête de Samus. Masque mercenaire spatial. Ce masque spatial ne permet pas de se rouler en boule. Essayez-le, Mario! Ah, y'a la petite musique, sérieux? Il va y avoir quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Et les poissons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils combattent quelque chose? Ils tirent des rayons laser avec les mains. C'est joli, mais c'est pas le style de nos super M. Enfin, moi, on dirait qu'ils s'amusent. Masque roi de la jungle. C'est parce que c'est Mias qui sont en famille. Vous avez une banane? Même pas une musique d'un décassé. Qu'est-ce que c'est que ce bastion? L'esprit, ça fait donc, donc, donc. Un singe peut-être, ou une sorte de gorille. Ok, il ne ressemble à rien. Masque Goomba. Masque d'un réalisé effrayant, parfait pour s'infiltrer. What? Il cassait ton masque. Ah, d'accord, elle est pétée d'ailleurs. Mais quelle gamine celle-là parfois. Ça va, hein, dis pas que tu trouves pas ça drôle. On arrive avec une tête de grand méchant macho. Ça donne tous les derniers ridicules. J'ai jamais vu une créature aussi improbable. Ah, c'est trop drôle. Ah, c'est trop drôle, pété d'air. Oh, super M, t'avais caché tes talents clones. Ça prend les côtés si on a besoin de 13 ennemis. Ouais, avec un fourrure. Ça m'arrive, j'ai cru que j'allais me faire un faux pli. Rien d'autre là-bas. Alors, on les a dans l'inventaire? Non, pas du tout. Oula. Le type est censé dans le dernier jeu, non? Le problème, c'est que le champ peut pas nous passer, peut-être qu'il a faim. Bon. Donc, il faut trouver. Alors pour l'instant, il faut trouver un truc qui puisse faire une chambre. Je suppose que ça va être le shuriken. Alors, le shuriken. Il faut avoir un tuba pour pouvoir venir. Du shogun. Alors de le shuriken il est juste ici. Ah mais non, il va falloir venir avec un shuriken, c'est plus logique. Ah, c'est le temps d'être un shuriken. Le temps d'être un shuriken, retour. Il y a quelqu'un, je réveille. Une balle, on dirait. C'est Mario, je voulais travailler dans le shuriken, mais quelqu'un m'a chipé le shuriken. Je fais quoi maintenant? Bah, j'attends qu'il tombe du ciel, quoique il vaut mieux pas. Pas le choix, je vais attendre jusqu'à ce qu'il se passe un ninja qui en aura sur lui. Ah, si, on les a bien là. Attends. Bon, non, c'est pas avec un masque de sa. D'accord, on va avoir un mini-jeu. Donc, le tuba pour avoir le shuriken qui nous permet d'avoir. Peut-être il y avait une balle. Effectivement, je crois qu'il y avait une balle en haut, donc on pourrait peut-être. Peut-être que la balle ira au Skelerex. On va voir. Alors, ici de ce côté-là, on a quoi?
la carapace qui bloque. Ah. Qu'est-ce que nous avons? Ouette. Ah. Bonjour. Dans un scandale. Y'a quelqu'un? C'est bien pour toi, mais si je peux pas sortir de là. J'ai acheté un passe royal, mais c'est pas en restant enfermé là-dedans, on me profiterait. Non, ne me regardez pas, de l'acné à mon âge, j'ai pas de bol. Je peux dire mieux, je suis toujours fatigué. Qui pourrait vous rester dans les lampes? Alors. En tout cas, pour l'instant, c'est un des meilleurs environnements que j'ai visité du jeu. Hein. C'est clair, là, c'est varié, c'est super grand, super grand, oui. On rebouche le trou. Bon, il faut pouvoir accéder au plafond. Alors là, il y a un bâtiment, deux bâtiments. Écoutez. Le copain m'a chauffé dodo, immobile. C'est un gros bruit, fini la sieste. Un gros bruit. Ah, y'a quoi là-haut? Ah, ça le gros bruit. Ah, c'était vraiment pour un... Ouais, ma chouette éveillée, on peut y aller. Ah, d'accord, c'est scripté. Oula! Il va y avoir l'esprit de l'eau. Et hop, comme ça on les remet avant. Bon, c'est des simples Goomba, ça devrait suffire. Ok. Dernière vague. Et là je sors l'esprit de l'eau qui va, je suppose, inonder la zone. Hop. Esprit de l'eau. Vas-y, Lina! Vas-y, du spectacle! Hop là, 50. Je pense qu'ils sont morts. Je pense. Combat par vague. Ah oui, d'accord, c'est effectivement c'est ça la dernière. Ah, tu m'as sauvé! Ah, merci, merci! Hop là, attends, y'a rien dans le bâtiment? Bon, on va aller se battre contre, contre Billy. Impressionné parce que je travaille ici, incroyable. Donc on était enfin dans le local des personnels. Je suis inquiet pour aller voir s'ils vont bien, lequel se trouvait dans la partie nord-est du parc. L'entrée est cachée, parce qu'on a dû prendre des mesures en type de cassette. Alors, je suis caché. Ouh là là, quel enfer. Ok, bon, il a cassé assez vite. Hop. Oh putain. Alors, ce bâtiment-là, je suis rentré dans cette truc de photo. Ok. Je vais me faire prendre la photo, je me fais prendre par la photo, dingue! On dirait les kits de secours de Color Splash. Après les autres, je sais pas trop. Attends, prends la photo peut-être.
peut aller derrière le fond. Par un autre, faire d'autres trucs le fond vert. Bon, d'accord. Ok, bon, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. On va certainement prendre une photo ou... On verra. Alors, on décolle ça. Pas de... Là, maintenant, on devrait avoir visité à peu près tout le parc. Je sais même si je sais même plus. Chasse au poussin, t'as été bien caché. Ouais, je faisais mes croisiestes, c'est ce que font les chats, non? Ok. Y'en a qu'un seul. Ok, bon, pas plus. Ce bâtiment-là, je sais pas. Par contre. Alors il voulait monter, pourquoi? Ah, il voulait pas monter, il voulait juste ouvrir le truc. Eh, j'ai réussi à avoir le dernier des butons, juste à temps. On joue aux chaises musicales avec des butons. Ce sont des coussins qu'on utilise pour s'asseoir sur les tatamis. Ah, piqué mes butons préférés. Encore, encore. Bon, donc j'ai pas dû faire la salle à côté. Pourtant ça me dit quelque chose. Non, pourtant il y a une fleur là où j'ai pas fait. Hop là. Par contre, déjà, Shuriken, on peut gagner des surprises. Quand le responsable. D'accord, on peut-être encore des mini-jeux. Bon, alors on a fait tous les bâtiments. Enfin, il faut... on n'a pas fait le celui qui était tout. Faire planquer derrière la planquer derrière le Koopa. Ah! C'est le seigneur d'objet. J'insiste, hein. Moi je peux faire autre chose que lever des plaques d'égout avec ça. What? Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Ah, ok. C'est juste un Goomba. Ça va, assez de ma compétence. Voilà. On va remporter, parfait. 216. Plein de confettis. Alors, je vais juste récupérer le Toad qui était coincé là au-dessus. Derrière ça. Pas peine de m'agresser, je suis un cassable écriton. Ah, c'est Mario! Il paraît que dans ce jeu photo, il prend des costumes pour les photos. Ça va, non? Non, c'est vraiment ça. Attends. Les bâtiments qui sont là, est-ce que je suis allé dedans? Les deux, là. J'ai un doute. Alors déjà, celui-là, non. Le Toad qui est... Hop! Roue du sanctuaire de l'eau. Il y a le Toad qui est dans le sac. Je sais pas comment il est rentré dedans, mais...
Papa, j'entends, quand t'es pas sur le toit, c'est une souris, dis-moi, dis-moi que c'est une souris. Ah oui, non, parce que le toit, on y allait juste dessus. Et enfin, il nous reste ce bâtiment, et après, on va commencer à sécher. Attends, mais c'est le tuba, non? Là. Ça fait beaucoup d'argent tout ça. Mais c'est tout ce qu'il y a. Bon, alors là on arrive à un moment compliqué. Parce qu'on a fait globalement tout le parc. Et là, on est bloqué parce qu'il nous faut... Je sais pas. Alors, on va tenter tous les objets. Qui peut s'énerver... Non. Non. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Ce bâtiment on a dû le faire, mais... Ouais, on l'a fait. On l'a fait, on l'a fait. Qu'est-ce que on n'a pas fait? Que là je vous commence à sécher sur les possibilités. D'accord, ça j'ai déjà fait. D'accord, donc il faut vraiment commencer par la paille. Attends, mais la paille, il n'y a pas moyen de la casser à travers une des barrières. Tout est en paille ici. On va peut-être trouver une barrière qui est un peu cassée. Mais j'ai pas vu l'ombre d'un truc cassé, donc... Qu'est-ce qu'il... Alors là, on allait jusqu'au bout... Pardon, pardon. Vous aviez pas un tuba par hasard? Hop. Ok, bon, attends. Qu'est-ce que j'ai loupé? Il est dehors... Peut-être... Là, j'ai du... Attends, dans le boutique de souvenirs... Est-ce qu'il n'y a pas un tuba? Il a l'air d'avoir une boutique ici. Il n'y a pas de... Bon, pas de tuba. Alors, soit faut que je tue un ennemi... Mais
C'est bon, on a compris. Tous ces bâtiments ouverts. Pas fermé, justement. Celle de sans parfum pratique d'attraction, c'est un local réservé aux employés. Pas seulement que je sache, non mais est-ce qu'il ne me plaît pas. Oh mince. Bon attendez, j'ai un petit souci. Oh putain, faut que ça arrive en plein un peu mieux. Alors ça va légèrement tressauter, ne vous inquiétez pas. Hop là. Simplement que mon écran allait s'éteindre. Qu'est-ce que je suis censé... Ah mais attends, mais il y a des bâtiments ici. T'es pas rentré. Alors là c'est encore... What? Des Galumba. Alors... Ça s'avance bien. Non. Non, ils sont bien placés. J'ai rien dit. Hop là. Et j'ai même pas, je sais plus s'il faut un saut ou pas. Je crois que non. Le saut simple suffit. Ok, et après le marteau simple, il faut juste que je le marque. Enfin, que je le marteau, bien sûr. Il faut que je le marteau. Il faut pas que je le rate de trop. Super, ça passe. Zéro dégâts, nickel. C'est pas un tuba dans l'eau. Hasard. Bon. Testons la dernière bâtisse, s'il y a rien. Là, je suis dans, la merde. J'ai plein de sang dans la bouche, merci de me retirer de là. Ça m'a rafraîchi la gorge, à monter chaud sera parfait pour rincer toutes ces cendres. J'ai vu une habitude bizarre chez ta tante qui t'attend. Ah, ta tante qui t'attend, bah oui, bah oui. Ta tante qui t'attend. Je vais sortir avec une paille. Alors, ta tante qui t'attend, je suis jamais allé dedans par contre. C'est où ça? Faut que j'aille voir sur la carte. Alors, ta tante qui t'attend, c'est... 9. D'accord. Ah bah c'est ça, simplement. Je suis passé devant et... J'ai complètement zappé de rentrer dedans. J'aime pas les verres ici, c'est comme truc. Comment on fait pour les utiliser, je comprends pas. Heureusement que j'ai emprunté la paille. Je peux même me la prêter, si vous la lavez après. Ok, j'ai la paille. Un tube utilisé pour boire, quelqu'un en a peut-être besoin. Ok, le passe d'accès. Marron de Vallon. Alors, y a-t-il un tot quelque part? Là, c'est un plan... Ah oui, il y en a là. Top. Ah. Putain, qu'ils auraient dû moins...
Moins de mal avec un biberon. Biberon. Donc la paille, on va voir le ninji qui va nous donner son shuriken, et après on va au... Bah au temple shuriken. Ah, je vois qu'il me reste 5 minutes, j'espère que ce sera un peu juste. Allez Mario, fast. Allez, enfin d'échange. Allez, tiens une paille. C'est plus ce qu'il me faut. C'est aussi un ninja quoi. Le champ contre mon shuriken, marché conclu. Merci, tiens mon shuriken. Shuriken. Un jeu de shuriken pour les lancer sans compter. Maintenant, on part stand de shuriken. C'est un shuriken qui est gauche, bas gauche. Non, pas encore là. Voilà, ici. Alors, tiens, shuriken. Ah, t'es perdu avec tes shurikens, toi? Étrange, mais tant mieux pour toi. Tant pour moi. Je vais pas pour reprendre mon quotidien. Mais trop boulot de jour, merci. C'est sympa ici, qu'est-ce qu'on y fait au juste? Ah, déjà les shurikens, on peut lancer son habilité à lancer les shurikens sur les cibles. C'est que si c'est le mode normal, on aura une balle de baseball dédicacée pour une star. Ah, génial, Mario. Alors on essaie dis oui. Quand tu vas sortir du pétrin, un tremblement gratuit, ça suffit pas. Hein. Comme veux-tu essayer? Populace expire. Ah d'accord, mais normal je suis. On va faire l'entraînement. Tu apprends d'abord à manier le shuriken à mon entraînement. Passe en face d'un exécuteur, appuie sur B pour tirer des shurikens sur la cible mouvante. Je n'ai besoin d'un petit instant pour charger après chaque shuriken, alors pas la peine de matraquer le bouton. Moi si j'arrive à obtenir au moins 10 points dans les temps impartis. C'est parti. Bon, allez. On va atteindre 10, ça va. Oh merde. Jusque là, c'est pas la folie. Il va chercher le shuriken. T'as coulé, tu as obtenu 14 points, donc tu devais. À 15 de l'appareil, tu peux durer sans problème mode normal expert, essaye-les. Non, c'est bon. Alors, on va faire le mode. On va faire mode expert tout de suite. C'est la balle. Oula! Pour essayer mode expert, tu vas obtenir au moins 80 points dans le temps imparti. Chaque nouveau record sera enregistré, alors faites tant mieux. Faire bonne chance! Expert 3D1, partez! Oh là là! Ouais, y a un petit moins 1. Et moi je tape dedans comme un grand débile. Ok, c'est bon. Oh, c'est rigolo. Hop. Mince. Hop. J'ai pas eu le temps qu'il me restait. Hop là, vite. C'est bon, j'attends le score. T'as collé, t'as tenu 4 de points, c'est un nouveau record. Pile, juste. Et t'as 4 points, ce qui fait que tu remportes un prix exclusif, unique et grandiose. Ah.
C'était pas ça que je m'attendais. Ah, ça a participé, à bientôt j'espère. Ah d'accord, il fallait récupérer... Ah, il fallait faire le normal. Bon, eh ben on va faire le normal. Dans le prochain épisode, et oui. Oh là, c'est terrible, on n'avance pas dans le jeu. Ah, les infos sur les Twitter, quand il y a des infos... Pour l'instant, je poste surtout les épisodes, mais des fois, quand je dis qu'il y a des vidéos, qu'il y a des retards, qu'il y a des pauses... Quand ça arrive, voilà. Merci bien d'avoir regardé, et la prochaine fois, on fait le mode normal et on essaie d'avancer dans ce putain de jeu. Bordel de merde, n'avance pas. Ah. Allez, ciao ciao. Et la suite, elle est là. Et hop là.